Yo, ça fait c'est Manu Beats animateur pour la bienvenue dans Hip Hop News. Non, c'est animateur qui baille ça. Yo, ça émission. Émission bombasse. Ça émission bombasse. Yo, vous êtes juste invité spécial émission. Ah, je suis déçu. OK, yeah. Vous m'êtes allé après ça, après OK, venez, n'a fait la moitié, n'a fait la moitié. Non, à condition que je 50% dans toute comme café. Pas de problème. Qu'on y a bonne pression pour me présenter l'émission. OK. Moi-même, c'est Jobson Laurent, je suis ensemble avec Mano Beats. So, nous connaissons aussi Creole News, Creole.com avec Telemix. So, numéro ça, son spécial Mano Beats. Si vous ne pas branché, je ne pas. Racontez-vous. Ok, je sens mal fait, bon, je commence encore. Oh, yeah. Ok, ça, c'est Mano Beats, nous sommes ensemble avec nous dans l'émission. Ça, c'est un numéro spécial Mano Beats. So, si vous ne pas branché, nous pas racontez-vous. Okay. Michel Guillaume qui prend Trace Awards là et n'a dit félicitations à elle et n'a jeune ni et n'a jeune Michel 12 novembre dans Massachusetts bon côté Anissa Désiré, Anthony Joe, Richard Cave. Prochaine news nous gagne qui c'est Naika. Et Naika qui sorti en performance acoustique ensemble avec deux musiciens sur compte YouTube, s'il vous plaît, m'a invité nous apprécier ça. Là. Nous avons Colonel Freeze. Yeah, Colonel Freeze que nous connaissons, c'est un rappeur haïtien qui gagne plus de monde qui suivre sur Instagram. Monsieur fait gagner un mixtape qui fait sortir là qui est l'innovation update. Et la première musique qui clique sur mixtape ça, c'est le sac passé en fait avec Rich Kid. Nous avons invité nous garder un petit extrait sur Creole.com et l'intégralité sur Telemix. Michael Bouin. Michael Bouin que nous connaissons qui fait gagner un awards dans Trace Awards Africa. Michael Bouin qui continue ensemble avec Tourné Bayoua fait déposer. Alors, monsieur était déposé valise Miami pour te faire un gros concert. On vient parler de Michael Bouin là, non, mais on a parlé de une performance XXL que Trouble Boy te bail. Et Trouble Boy c'est nèg cap tout. Faut pas oublier ça nèg la cap. Trouble Boy nèg cap, nèg la cap y en nous. On se nèg cap tout. Non, mais c'est nèg tout côté. Ah, mon cher, on pour vous. Yeah, nous allons regarder un petit extrait sur Creole.com et l'intégralité sur Telemix. DJ Tony Mix fait claquer un nouveau slogan là qui relaie opération sans anesthésie. En même temps, monsieur gagne un nouveau surnom qui c'est Docteur Ayawe. So, monsieur te prend temps pour te partager quelques photos ensemble avec fanatique sur Instagram ensemble avec Blues Docteur Assoli. So, on va le faire regarder quelques photos ensemble avec moi Kounia là. Je nous connais déjà, invité spécial nous aujourd'hui là, c'est Mano Beats, ça part en surprise encore. Alors nous allons prendre temps nous allons prendre 100 nous pour nous parler ensemble avec Atis là, pour nous connaître qui s'est déjà accouplé pour nous aujourd'hui là. Ça va fait, c'est Mano Beats, jeudi à l'âme Hip Creole, nous allons faire un petit posé, nous allons parler en pile belle bagaille. Est-ce que vous pouvez parler nous rapidement et comment tu as commencé? Parce que je connais où tu as commencé au Cap, pas vrai? Oui, je commencé à faire musique au Cap haïtien, je commencé dans l'église. Et c'est une histoire qui est extrêmement longue, même à faire le coup. Je connais que l'MPT, je toujours abaissé. Trouver place moi right mais c'est jeu football ça va marcher bon de préférence de les gardiens chaque fois mettez dans équipe là avait dit so mais c'est plusieurs autres bails va marcher et puis dès qu'on allait l'église on commence à faire musique dans l'église et puis même avec on sait deux trois amis nous venons font studio et puis à partir de là et me garde je n'ai mon hobby ça a commencé un peu l'expérience et au Cap. Et après ça, en 2012, 2012, moi je viens de monter Port-au-Prince
café chalet, tout ça, et puis bon. Et puis, histoire continue. A qui différence qui gagne Mando Beats Kounia là, nous pas parler de tout ça Mando Beats a fait Kounia là yo ensemble avec Mando Beats qui était dans chalet là. Yeah, parce que Mando Beats qui était dans chalet, m'a salué Oudiman tout parce que Oudiman est son joueur qui était important dans journée chalet là. Parce que nous t'ai fait groupe là ensemble et puis salut Ti Mario tout et puis après ça il est venu était avec CJ et c'est ton belle période et parce que m'a apprendre en pile m'a découvert tête moi et différence qui gagne avec Mano Beats qu'on y a avec Mano Beats Charlie parce que Charlie c'est un parti dans moi que mon t'a fait connaissance avec Mano Beats qu'on y a son l'autre parti dans moi côté que m'a explorer créativité et on l'autre niveau m'a choisi mettre tête moi dans boîte et me choisir explorer et créativité mon plus haut niveau et pour me toucher un market qui global. Hello la famille, c'est Mano Beats, bienvenue dans Live à Case. Aujourd'hui, je vais vous interpréter l'une de mes chansons titrée Hakuna. C'est une chanson que j'ai fait en collaboration avec Afrotronix et Voxambo. J'espère que vous allez kiffer. Bonne écoute. Ouais, que vous faites plusieurs collaborations ensemble avec Voxambo. Et qui ça représente pour vous-même? Oh, nous sommes extraordinaires. Et mon salut Mackenzie Jeune, parce que c'est Mackenzie Jeune qui link moi ensemble avec Voxambo. Mon cher Voxambo, me dégage, monsieur. Et c'est seulement dans même votre nom pas sorti. Monsieur, c'est frère Pam, c'est nek qui comprenne moi. Et c'est nek qui toujours supporte moi 100%. So, nous faisons collaboration à Kuna. Et puis, parce que collaboration, ça c'est une collaboration. Collaboration qui vraiment établit vision Mano Beats là et avec comment mon ouais tête moi qui ça m'en vie accompli et avec Afrotronix tout ça parce que c'était un bon début pour même ça voulait dire en pile parce que Voxambo son artiste qui vraiment engagé sonne comme si qui fait musique dans l'autre dimension et c'est toujours un honneur pour moi pour nous collaborer ensemble. Nous connaissons que nous tous là nous avons racine nous en Afrique et nous avons une histoire déjà, nous tous avons passé l'école, ok? Yeah. Et donc, so, là, nous venons de Yon et Mano Beats qui était Haïti, qui passait qui vient aux États-Unis, mais Kounia là qui plus connecté ensemble avec Africa. Et comment ou même où est mariage ça entre Mano Beats qui retourne dans racine nous en Afrique? Et je pense que c'est ça qui te manque moi-même personnellement dans la vie pour me vraiment jeune direction la vie parce que on a pas qui gagne sous pas comme goto c'est pas comme goto pour aller et depuis petit m'étais toujours gagné un sens m'étais senti que m'a cherché jeune placement right m'a cherché jeune placement et me garder vers l'Afrique et puis me venir faire recherche sur histoire sur qui est moi et me venir réaliser que nous même haïtiens nous c'est africain so me trouver que nécessaire pour nous tourner dans racine nous pour nous connecter avec monde qui partager en pile héritage ensemble avec nous et puis à partir de là moi vinn contact moi vinn comprendre tête moi vinn connait mission dans vie ne couchel mael qui n'a khasil khalak qui n'a tikibet qui va gagne une vidéo sur Instagram on côté noté ou sur un tapis rouge dans la Music Awards 2022 bon côté Matt Jewelry et puis tout RSC le Pama m'a pas si bien prononcé ça on déjà dit c'est un groupe et yo fait musique expérimentale tout alternative en pile collaboration sur été invité sur projet Bayo qui c'est album Afonde and Fuck là m'te collaborer ensemble avec yo et puis album ça t'es jeune Grammy nomination for best alternative music album et puis m'd'aller dans cérémonie ensemble avec yo Marc Anthony de là tout groupe artiste c'est ton honneur parce que ça vient de c'est que album ça en plus que Marceli et li chanter dans langue et non langue indigène qui c'est Quechua qui sorti Pérou et moi-même de chanter dans langue pam qui c'est créole haïtien et puis nous collaborer ensemble et puis nous juste créer un bagage et puis pour nous langue ça racine nous des jeunes nomination ça et c'est ton bagage qui te voulait dire en pile pour moi-même et puis pour culture tout mais comment collaboration était pour ensemble avec Matt et collaboration était vraiment easy parce que yo t'a travaillé avec un booker à l'époque et
qui ses amis moi, li contacter moi, li dit mais que moi sous projet ensemble avec eux, nous connecter parce que moi même me plus travailler ensemble avec artiste, c'est juste une question de énergie, faut vibe nous aller et faut me comprendre ça va faire, faut vision nous aligner et à partir de là nous collaborer était vraiment facile parce que Matt c'est un bassiste qui est extraordinaire, un songwriter et nous aller dans le studio à vibe la flow et puis nous just create, that's it. Ok, Mano Beats t'es en tournée depuis qu'il est? Et t'es en tournée depuis en 2021 et parce que transition de venir aux États-Unis, travail sur album moins, t'es obligé à lancer sur toute bagarre ça, mais là c'est focus à ces albums moins. Ok, pour qu'on y a là, nous t'es ouais sur Instagram que t'es partagé ensemble avec Fanatic ou yo, vous t'es dit ou pas qu'attendre pour retourner dans tournée encore. Exactement, so. Yeah. Alors c'est pour qu'il ait tourné ça. Et je pense que yeah, 2024 for sure. Like 2024 là et c'est avant l'autre et bagaille. Son l'autre version de Mano Beats que mon yo parle. Mais moi même pense que 2024 là c'est année idéale pour nous commencer tourner et global parce que m'pas juste veut faire tourner non Aria seulement m'veut blaguer sur market international là 100% parce que faut ça pour ça fait faut nous te ranger car nous faut nous te ranger car bande nous. Vous comprenez? Ok, nous allons passer dans le projet album moi que vous dites que vous avez pour sortir. Est-ce que vous avez une date pour l'album là? Pourquoi vous avez une date pour l'album là? Parce que il y a un pile arrangement qui supposé fait et moi-même tout bon côté pas un pile de manger, il y a toute structure pour nous mettre avec l'autre artiste que nous collaborons ensemble avec eux. Mais pour sûr, année qui vient l'album là pour sortir. Combien de musique vous avez sorti? Bah le bail trop détail mais logique bande supposé qu'il y a 10 musiques sur l'album. OK mais avec alors combien collaboration collaboration featuring m'a regardé moi gagné quasi 4 ou 5 yeah. Et mais qui genre de musique n'a bien solé? Et son album cap vraiment et gon paquet de surprises là-dedans parce que idée c'est explorer m'a explorer quatre et créativité mais c'est pas mon boîte tête moi ça veut dire ou ca joindre plusieurs styles sur album là qui nettement différent. So, on pas dire exactement parce que c'est pour album qui juste gon ligne de style musique, c'est un album juste à exprimer qui j'aime sentir et qui visionne qui ça m'a vie accompli. Qui comme album là a sorti en 2024 et est-ce que vous avez une date pour en tourner en Haïti? Non, nous pas gain ça pour le moment parce que nous c'est la travailler sur ça et puis album n'a pas sorti tout parce que gain tout aspect impact que l'album va faire sur le marché international et sur le marché de la Kaino tout. Donc, il y a un arrangement pour faire la liée en Tijan. Il y a une information pour gagner là pour le moment. Ok, Kounia là, nous connaissons Atlanta et Mano Beats, nous connaissons les gains pour les Move Floride. Et dans un petit temps qui parle long là, et pour les travailler sur son projet, ou qu'à partager le projet ça ensemble avec nous? Et le projet ça, c'est Samuel Damaeus qui a fait un documentaire et sur le canal là. Et je t'ai invité moi pour me travailler sur musique documentaire ensemble avec lui. So, on va passer un temps et en Floride pour nous créer, faire créative session tout ça. So, c'est une première raison qui fait me aller là et sous projet ça parce que vraiment toujours encourager tout ça qu'a fait pour pays non positif. Non ligne positif. OK, n'a dit merci parce que vous t'ai recevoir nous dans vélo, nous Harlan là. Merci en pile. Pour qu'on salue déjà Atlanta et nous lié. En vélo. C'est là nous mettez fin dans journal là, n'a dit tout le monde merci parce que nous t'ai branché. Moi même c'est Mano Beats. Moi c'est Jobson Lawrence, so, j'aime toujours dire là si nous pas branché, nous pas raconter. Aïe.